Commandeur, s'il vous plaît, aidez-nous! Calme-toi, jeune chevalier Arthur. Merlin, le roi est mort. Qui sera donc le roi? Toi, Arthur, tu seras le roi. Moi? Va vers le rocher, là-bas, et retire l'épée Excalibur. Alors, tu seras le roi. Merlin! Ne t'en fais pas pour moi, jeune Arthur. Regarde! Tirera Excalibur de ce rocher sera le roi choisi par la Providence. Chevalier Lancelot, que viens-tu faire? Je viens arracher Excalibur à ce rocher pour être le roi. Sais-tu que je suis le plus fort de tous les chevaliers? Et toi, Lancelot, ne sais-tu pas que je suis le roi? Pourquoi as-tu brisé l'épée du royaume? J'ai cédé à la vanité et Lancelot à l'envie. Vanité et envie ne sont pas de chevalerie. Arthur, tu as brisé Excalibur et tu n'es plus le roi. Arthur! Jette ton épée dans les eaux troubles. Je te donnerai la table royale. Arthur, surtout ne l'écoute pas. C'est Morgane, la fée des esprits mauvais. Garde ton épée. La dame du lac, la bonne fée, la réparera. Je ferai de toi un roi immortel. Sous la marque du pêcheur, tes pouvoirs seront sans limite.
tempêtes et vertiges sous la barque envoûtée et la table infernale. Malédiction ! Il n'y aura jamais de grâce pour ce chevalier sans épée royale. Consacrer ma vie à la quête du Saint Graal. Et de retrouver l'esprit de Chevalier. Épée de roi, Excalibur, dessine avec sa pointe de feu le cercle de la vraie table ronde qui dort au fond de la douve. Sois toujours de chevalerie. Alors, tu verras s'élever le Saint Graal, d'où s'écoulera, pour sauver le monde, le précieux sang.